Bonjour à toutes et à tous et aux autres aussi. On ne laisse personne sur le bord de la route aujourd'hui. T'as pas l'impression d'avoir un champion en titre en face de toi? Attends. Hein? Messieurs, c'est le retour, j'allais dire, de la vidéo légendaire. Ça fait plaisir de vous retrouver, ça faisait longtemps les gars. Ça faisait très longtemps. Ça faisait longtemps et j'ai apprécié ma victoire pendant ces semaines. Et il a la ceinture. On doit le dire, il a la ceinture. Je le dis avec la ceinture. Est-ce que la ceinture d'un tueur super, c'est un truc un peu avec un smiley mal fait? Ouais, et puis qui pète quand tu t'assois. Ah oui, t'as vu? Non, non, mais t'es entraîné ou quoi, wow? Imagine deuxième victoire consécutive. Non. Tu te calmes, tu vas rendre la ceinture. Messieurs, donc bonjour Pierre, bonjour Fred. Fred, est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui ce qui nous attend dans cette compétition, dans ce match? On en a fait plein des tueries super. Et il y en a un qu'on n'a pas fait depuis longtemps, c'est un tuerie super spécial image. Donc là, on a sélectionné. Qui sont très traîtres. Parce qu'il n'y a même pas à les dire, c'est bam, c'est pleine face. Non, mais surtout dans la façon de jouer, on peut rire avant que l'autre soit exposé au rire. Exactement. C'est comme les grands chelems, hein. T'as de la terre battue, t'as du gazon, t'as Wimbledon. Ouais. Là, on est sur autre chose. Sachant que là, sur l'image, là, tu peux être surpris beaucoup plus vite parce que c'est instantané. Parfois, ce qui fait plus rire, c'est quand t'as pas l'élément rigolo, tu vois, tac, les deux petits trucs qui pendent. Ah oui, quand il en deux temps. Et c'est là que tu rigoles. Je rappelle le mécanisme. Imaginons Benjamin commence, ce qui va être le cas. Benjamin, je te passe l'image, tu regardes pas tout de suite. Tu regardes Pierre dans les yeux, tu regardes l'image. Pierre, image. Et tu donnes l'image à Pierre. On bloque à combien de secondes à peu près, monsieur l'arbitre? Pas faire ça. Non. Est-ce qu'on pourra faire attention également à Pierre qui regarde bien dans les yeux. Je veux pas commencer à attaquer. Bien dans les yeux. Est-ce qu'on peut faire gaffe à Benjamin qui regarde bien l'image assez longtemps, qui s'expose au risque et qui relève les yeux? Parce que les trucs de... Il regarde dans les yeux, il fait ça. Non. Et il prend le temps de remonter. J'irai pas là-dessus, je suis un compétiteur. On va être sur un tempo comme en muscu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ensuite on relève. Ok, alors c'est des refs qu'on a pas. Est-ce que vous êtes prêt, Benjamin? On va commencer évidemment par toi. Évidemment, je suis pas. On est trop smiley là. J'aime pas cette ambiance. C'est trop bonne ambiance. Messieurs, c'est parti. Putain, le bordel de merde. Oh, direct le compte son corps. Oh, direct le compte son corps. C'est quelle naze. Putain, le bordel de merde. Il aurait craqué de ouf, ça m'énerve. Oh putain de bordel. Des infos, non? Je veux pas savoir. Il y a tout pour me faire craquer. C'est possiblement un banger, ça. Attention, potentiel miniature. Putain, tu sens qu'il s'en fout. C'est presque beau dans le tableau. Il sent les fleurs, il pète une bulle. Il y a quelque chose de très Disney. Allez. Pierre, à toi. Ah, allez, ça va être c'est un match difficile là-haut. Là, elle est un peu en 2-3 temps. J'ai pas compris tout de suite. J'ai pas compris tout de suite. Et quand tu comprends, ça y est. C'est les bad. Ah, j'aurais pas craint. Oh putain, c'est le Iron Man, hein. En vrai, je me suis dit au début, bon, c'est un beauf qui est déguisé en Iron Man. Oui. Et après, je me suis dit, bon, c'est un beauf qui est déguisé en Iron Man. Allez, moi, je rentre dans le match là. Là, c'est mort pour toi en fait. La gaffe, c'est mort pour toi. Très intéressant. Moi, j'ai pas failli craquer, mais j'ai failli avoir un smile et peut-être l'arbitre aurait. Donc... Oui, mais pas sur celui-là. Un petit sourire, là, c'est mignon quand même. On encadre un bébé avec du scotch au mur, c'est quand même mignon. Mais c'est de l'ordre du même de Twitter, donc je n'irai pas dessus. Pierre Cross. Merde. Ah, il voulait sortir. Pardon. Je te l'aurais compté. La testicule sur le fil. Ouais. Messieurs. Oh, ça m'énerve. Non, les secondes étaient passées. C'est mauvais joueur. D'accord. C'est très mauvais joueur. C'est très mauvais joueur. Mais quand même, je vais prendre hockey jusqu'au bout. C'est la tête du cocker qui n'est pas du tout dans le même monde que les autres. C'est vraiment cette tête-là. Il n'y a que lui qui aurait pu faire craquer. Pardon, mais monsieur l'arbitre, c'est pas beau ça. Là, je suis en fin de round, mais je continue un peu à danser. Ça, c'est un peu jeu à l'anglaise, un peu dur là. J'aime pas ça. Non, je voulais pas le compter. Je voulais juste te provoquer un peu. Son Pierre est à 2-1. Et attention aux animaux. Ben, je te sens un peu fébrile sur les animaux.
Alors attends, pour moi il avait déjà coqué. Non, là, monsieur l'arbitre, là, il y a la barre. Intéressant comme point, mais je pense que je mérite d'en faire. Il y a la barre. En fait, j'ai le visage de Pierre et il y a eu les dents, les yeux plissés, le rictus. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur l'arbitre? Ah non, mais non, mais point pour toi. D'accord. Allez, c'est un gros début de match, hein. Tout se fait par rapport à des millisecondes de l'œil. Et en fait, je vois le corps du bébé avant de voir la tête. Le haut niveau, c'est les détails. Eh ben, les cadeaux, je te l'offre. Son rire t'a plus fait rire que l'image. Alors Ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très sensible au posing de bodybuilding. C'est vrai, je suis très sensible. Ah, puis t'as l'arrière de la cuisse, t'as une mini testicule qui tombe de derrière le string, bien. Si vous regardez bien. On dit rien sur la coupe, hein. Tellement ça prend l'objet, on dit plus rien sur le lox catogan calvitie. C'est une belle chose. Ouais, je suis solide. Absurde. Non, pas le dentier chien. Attendez, là on est sur les blagues de tonton, on est haut. Voilà. Merci. Ben, à toi celle-là, hop là. C'est très serré là, 2-2. Ah là là, gros match, hein. Deux. Allez, gros match shoes, hein. Pas tout compris. Bah c'est rigolo, c'est le tableau qui est rigolo. C'est le gosse, le singe, le tableau est rigolo, attention. Le singe est aussi à l'aise que le gamin. Allez. Monsieur l'arbitre, j'ai l'impression que c'est mon cadeau de tout à l'heure. Où il a tout le rire et moi j'amène le bruit. J'ai rien du tout, je suis en silence total. T'es comme ça, c'est juste qu'il n'y a pas de bruit. Non. Monsieur l'arbitre. C'est dur, mais malheureusement, Pierre, je crois que Ben rigole pas. Non, je ne rigole pas. En fait, il se contient. Je me contiens. Vous avez été en tremblement de tête. Je n'ai pas eu de tremblement, monsieur. Peut-être que les abonnés ils diront, mais moi, de ce que j'ai vu. Je suis pas à domicile. Mais arrêtez. L'arbitre serait peut-être contre moi, non. Non, mais. Non, tiens, on n'aime pas ça. Vous avez rigolé. Vous avez pas rigolé à ça? Allez, Pierre. Ni chaud ni froid. Je suis classique. Classique. Ah, mais t'as deux doigts quand même de rigoler, j'ai l'impression. Ça me rappelle les souvenirs de chute scorpion dans la vidéo. On adore les chutes scorpion. Ouh là 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 là, c'est moi qui engage. Putain de merde. Il a dit putain de merde. Mais non, comment tu réussis tard? Tu l'as eu en tête encore? Parce que je l'ai encore. Ça m'énerve, c'est nul. Elle est nulle. Elle est naze. L'erreur de mon point là, c'est que je l'ai contenu, je le passe, je dois oublier autre chose. Ouais, et elle me revient. Du coup, s'il fume comme ça, c'est un chicha. Bravo en fait. Donc là, il y a 3-3. 3-3. Quel match. Allez, Pierre. Des surprises. Mais là, dans quelle figure typique du Thierry Super Image. Là, il s'était pris plein de gueule. Qu'à le dire, il s'était pris plein de gueule parce que lui aussi, en fait. Oui. Il a pas du tout la tête de l'emploi. Il a pris 15 ans en un high kick. C'est la forme du pied qui est incroyable. Allez, j'engage. Ouais, Pierre, tu rigoles. Parce qu'en fait, c'est la deuxième phase où tu vois le daron. C'est cette deuxième phase-là qui est très... C'est le face swap classique. C'est un classique, ça, pourtant. Dans les tueries super, c'est un classique. C'est un classique, mais il m'a eu. Et là, j'avoue que ça a été un avantage qui serve parce que il m'amène déjà à rire avec sa tête et il reste plus qu'à me cueillir avec l'image. Combien, monsieur l'arbitre? Il y a 5-3. Hein. Allez, Verekia qui commence à montrer qui est le patron, en fait.
C'était limite. Sur la ligne. Sur la ligne, sur la ligne, elle rentre pas. Elle rentre pas. Petit avertissement, Benjamin. Pardon, pardon. C'est normal. C'est normal. Parce que pas dingue. Mais Lucas. Mais local, quoi. C'est un plat local, là. Il a pas réussi à relever les yeux. Il a pas réussi à relever les yeux. Je savais que ça allait bien ça. Un peu d'haltérophile qui bloque, mais qui arrive pas à valider le. Mais c'est nul en plus, c'est. Karim Benzarma. Ça c'est mal fait avec le jeu de mots mal fait. Benzarma. Si, je m'en veux. Le Karim Benzarma, je m'en veux. Moi, je suis sensible à ce humour. Je le reçois, je le partage à des potes. C'est évident. Allez. Là, celui. Parce que tu l'as re-eu en. Je parle de la deuxième phase. Là, c'est sa tête qui me fait rire, mais admettons. Aïe, 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 bah on est. Ouais, c'est poussi-poussi, quoi. On est sur un 6-4. Tout est encore possible, évidemment. On dirait Ben qui se retient de rire. Oui. Ça, la même coupe. Celle-là, elle est pour Pierre, je crois. Classique. Merci. Déjà vu. Au revoir. Et elle est pas puissante, mais elle est fourbe. Elle est efficace. Elle est très efficace. Avec l'autre derrière qui regarde comme ça. La tête dans le cul, c'est très bien. Bien mise en plus, tu vois, genre, elle est pas trop sur le côté. L'angle est parfait. À se demander si elle est pas vraiment dedans. Waouh! Il a eu avant faire. Là, il faut un replay sur ce qui s'est passé. J'ai eu ma narine droite qui a ri juste une milliseconde avant. Ça s'est joué à pas grand chose. On est sur Guigui, conducteur un peu rock. Qui a voulu être un peu rock, mais en kawaii, rien. Et on se demande, ça n'amenait rien à la vidéo, qu'il ait une perruque finalement. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est. Mais bon, je prends mon point. Est-ce que je peux moi faire? Tu peux te refaire. Attention, c'est. Tu vois, ce Guigui, attention que ce soit pas le petit démon qui reste. Il peut me perturber. Ouais, trop de texte, ça m'a perdu. Mais c'est là, tout est trop impliqué dans la photo. Le mec, il a pas le nez. Il vend un ballon. C'est quoi? C'est un ballon, c'est un sofa, c'est quoi? Je crois sur ce point, les gars. Je croyais que Pierre t'a rigolé en premier. Là, c'est l'arbitre, c'est un travail d'arbitre. C'est en train de me tuer. C'est un travail d'arbitre. C'est en train de me tuer. Là, c'est un travail d'arbitre, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, je le donne. Allez, fair play. Ah, ça m'a frappé, ça. Celui-là, il était. Il était dur, lui. Hein. Tu sais, c'est le genre de truc où tu fais des vannes à des potes un peu en soirée, t'y vas à fond et ça devient weird un peu. Ça fait plus rire parce que c'est marrant. Ça fait rire parce que t'es bizarre. C'est celui-là. Et lui croit qu'il fait rire parce que c'est drôle. Non, c'est hyper gênant. C'est hyper gênant. Et il continue. Non, arrête. C'est... Tout le monde est en crise de rire. Mais c'est pas pour le bon, c'est pas pour la bonne strat de rire. T'es capable de croquer les sofas? Ouais. Ouais. Pierre profite de la. Ouais. Ben a la difficulté. Allez, je vais te donner des points là, c'est le 7 où je peux remonter. 3, 2, 1, Ben, c'est parti. Allez. Ça y est. Allez, montre-moi, est-ce que ça valait le point? 8-6 là, 8-6 là. Allez, mais lui, ça enchaîne. Allez, ça enchaîne. Oh
On va quand même barrer. Okay, c'est... ok, très bien. Faut le voir de face, hein. Ça y est, on l'a perdu là. Il est en perte de confiance. Qu'est-ce que j'ai eu après? Il aurait craqué en plus. J'aurais craqué dans l'immédiat. Putain, je l'ai contenu de ouf celui-là. Je ne pouvais plus ouvrir. Oh putain. C'est même pas fou. Il y a quand même une courbe de scorpion sur le mec. Et vite. Frère, je suis en train de faire ma montée là. C'est l'arbitre qui tient le match dans sa main là. Je crois que là, tu peux aller chercher un truc. On a un rire de pierre. J'en peux plus, c'est des rires douloureux. C'est même plus des rires plaisants. C'est la meilleure. Ah, celle-là, il y a tout, chaque voilà. Élément. Ça fera un rire à vise. Ah, c'est la dernière image, donc là, bon. Il y a combien? Ah, t'es devant, Ben. Il y a 9-8, je crois. Donc c'est égalité ou je gagne. C'est qui engage? C'est Pierre. Il faut juste que je rigole pas et je gagne. Il faut juste que je rigole pas. Tu dis ça, mais t'as des larmes. Je vous inquiétez pas pour moi. Back to the throne. Back to the throne. En termes de scénario, c'était le plus beau match. C'était historique. Il y a eu une remontée de 3 ou 4 points. C'était historique. 4 points. Et j'ai craqué sur Guillaume. J'ai craqué sur Guillaume. Tu fais l'erreur à pas faire. Je pensais que t'allais craquer sur Guillaume. Non. Bah c'est là où j'ai le tour. Pour moi, j'ai le tournant du match. C'est si je craque à Guillaume, c'est mort. Je récupère la ceinture, la victoire. Et mienne. Mais c'est de plus en plus serré, les gars. Bah, il a bossé. C'est un vrai scénario. Bah, vous connaissez un Pierre très fragile sur les fins de match à chaque fois. Mais comme il s'est passé là, j'ai un peu lâché le match. Heureusement qu'il y a eu la remontée incroyable. Ah, c'était beau. Si j'avais été chercher la victoire, ça aurait été magnifique. Très, très beau. Ça aurait été magnifique. On peut revenir un peu sur vos images fortes. Bah, si je devais le pébule chien, ça reste ouf. Le croqueur. Et le croqueur. Pébule chien, croqueur, c'est des points qui sont impossible à prendre pour des vrais compétiteurs. Bien sûr. C'est impossible à prendre. Pareil. Même des très très forts de très haut niveau, il y aurait eu un. Messieurs, c'était une belle édition. Mais c'est un plaisir. Merci encore, Fred. Hein. Merci pour l'arbitrage. Au couteau aujourd'hui. Pas facile. Hein. On peut pas remercier l'arbitre. Hein. Peut-être qu'au montage, on va se rendre compte de certaines choses, mais ça fait partie des règles aussi. Ça fait partie de la beauté du sport. C'est les buts qui. J'ai perdu, mais je suis quand même content de marquer l'histoire avec un match aussi fort. C'est du McEnroe, c'est du Brésil, c'est... Il faut deux adversaires, je suis le perdant, mais... Sans toi, il n'y a pas le match historique. Hein. C'est ça. On se refait un tweet super bientôt. Bientôt, mettez en commentaire sur quelle surface vous voulez qu'on s'affronte. Merci à mon adversaire. Merci. Je te rends la ceinture. À l'arbitre. Oh, c'est un plaisir. Je te rends la ceinture pétante. Merci. Belt is back, belt is back, je sais plus comment on dit. Balt is back. Turituber spécial Benjamin parle anglais. Messieurs, dames, à très vite. Vive le rire, on vous embrasse très fort. Et d'ici là... Si là. Ciao.